Yo les gars, c'est Unost. Comme vous l'avez remarqué sur le titre de cette vidéo, je vais vous montrer où se trouvent les nouvelles îles dans laquelle il y a l'événement spécial de cette nouvelle mage qui se nomme Xmas Bloxrui. Car j'ai reçu pas mal de messages que les gens ils n'ont pas compris à quoi concerne cette mage et ils savent pas où se trouve l'île. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer au premier monde où se trouve l'île et au deuxième mais aussi au troisième monde. Sur ce, je vais pas tarder, je passe l'intro et on commence la vidéo. Bon visionnage. Alors, on va déjà commencer par le premier monde. Le premier monde, vous avez juste à prendre un bateau et vous devrez aller vers l'île de Snow qui se trouve tout là-bas. C'est l'île de la neige. Ouais, c'est level 100 environ, je crois. Si j'ai pas oublié. Donc, il va falloir juste que vous preniez un bateau ou soit vous volez. Là, je peux voler, mais je pense que je vais prendre un bateau pour mieux vous montrer l'endroit. Je vais prendre ce nouveau bateau qui s'appelle Slate. C'est le traîneau de Père Noël, si je n'ai pas oublié. Voilà. Et je vais activer un mode rapide pour aller plus rapidement. Ne pensez pas que ce bateau va vite. En vérité, dans le premier monde, ce bateau est super méga lent. Bref, une fois que vous êtes arrivé dans l'île, bon voilà, maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, je me trouve avec un abonné qui se trouve Goku. Ouais. Donc, vous aurez un NPC qui se trouve juste devant, dans laquelle vous pouvez acheter déjà les premiers trucs. Voilà. Les chapeaux et aussi le bateau que je venais juste de prendre tout à l'heure là. Oups là, il m'a fait mal là par contre. Aïe. Aïe, il abuse un peu. Bref, en plus de ça, il continue avec sa transformation de léopard. C'est un petit peu trop abusé là. Bon, maintenant qu'il a désactivé sa transformation, là je peux continuer ma vidéo. Bon, donc ce que je disais, il y a un NPC qui se trouve là, mais aussi il y a d'autres NPC qui se trouvent à l'intérieur. Mais bon, ce qui vous intéresse, c'est l'événement spécial. En gros, l'événement, ça concerne juste cet endroit au milieu. Une fois que les minutes seront à zéro, il y a un cadeau qui va apparaître. Après, vous pouvez le prendre. Mais bon, il y a aussi d'autres trucs. Vous devrez faire des candies en tuant des mobs. Sauf que les candies, ça va vous servir à pouvoir acheter des trucs, en fait. Voilà. Là, vous pouvez par exemple acheter les trucs qui se trouvent avec ce NPC, comme le x2 XP pendant 15 minutes, ou reset les stats, ou sinon changer de race, voilà. Mais aussi le NPC de tout à l'heure que j'avais parlé, vous pouvez aussi acheter les trucs avec lui en fait. Ce sont des petits matériels qui sont un petit peu intéressants. Maintenant, on va aller au deuxième monde. Concernant le deuxième monde, l'île se trouve un peu plus loin, voilà. Il se trouve vers la gauche. Plus précisément, en fait, c'est plutôt vers la droite. Bref, vu que j'ai un fruit que je peux voler, ce fruit de Blizzard... Bref, en plus de ça, je l'ai master 600, ce qui est cool. Bon, là, il n'est pas... en fait, j'ai activé le mode rapide, là. Ouais, j'ai activé le mode rapide pour ça en x4 sur cette vidéo pour aller plus vite. Parce que, de base, c'est super méga lent. Bon, une fois que vous serez là, vous verrez Dressrosa. Et en même temps, l'île qui se trouve de l'autre côté. Juste à côté du cimetière, en fait. Voilà. Donc, il y a encore cet abonné qui m'a suivi jusqu'ici, encore une fois. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Qui se nomme Goku. Et donc, une fois que vous serez dans l'île, il y a les mêmes trucs qu'au premier monde en fait. Le NPC, il se trouve juste devant là, comme vous pouvez le remarquer. Le NPC se trouve là, il y a les mêmes trucs comme le premier monde. Voilà. Et donc, il y a aussi le NPC qui se trouve aussi tout là-bas, comme celle du premier monde. Vous pouvez aussi récupérer le cadeau comme au premier monde. Sauf que ici, il y a un NPC de plus par rapport à celle qui était là. Là d'abord, je vais d'abord vous montrer l'autre NPC qui se trouve exactement au même endroit que celle du premier monde. Et voilà, maintenant il y a ce même NPC qui se trouve comme au premier monde. Bon, si je le parle, je pense qu'il va me dire un peu la même phrase que tout à l'heure. Et voilà, je peux acheter les mêmes trucs que tout à l'heure. Sauf qu'au deuxième monde, il y a un NPC de plus par rapport au premier monde. C'est qu'au deuxième monde, il y a ce qu'on appelle les fragments. En gros, ce sont de l'argent, on pourrait dire ça des diamants en quelque sorte, des gemmes, bref. Tu peux les acheter aussi avec les candies que tu peux avoir. Tu peux acheter soit 200, soit 500, voilà. Les 200, tu peux les acheter avec 50. Et les 500, tu peux les acheter avec 100 candies. Voilà. Là, je viens d'en acheter 50. Comme vous pouvez le voir, que mes fragments ont augmenté. Bref, je voulais rester au milieu, là, pour pouvoir avoir un cadeau. Mais le temps, en fait, n'est pas à zéro. Donc, du coup, je pense que je vais passer directement au troisième monde. À présent, au troisième monde, l'île se trouve super méga loin. En gros, c'est la dernière île qui est tout là-bas, tout au fond. Mais actuellement, là, on ne le voit pas. Donc du coup, je vais vraiment prendre un bateau pour pouvoir y aller jusqu'à là où se trouve l'île. Et donc, je vais prendre ce bateau rapide parce que si je prends le bateau de Père Noël, il n'est pas vraiment rapide que ça. Ça, c'est génial. En activant le jeu en mode x4, je pense que je peux y aller très rapidement. Ah, il est tombé l'autre là. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a aussi Goku qui est toujours avec moi. On dirait que
Ça risque d'être super long. Par contre, l'île se trouve vraiment en dernier des îles en fait. C'est carrément tout au fond des îles quand tu arrives dans le champ des Sea of the Tree. Voilà. Ça, c'est tout ce qui concerne les gâteaux. En gros, je vais dire plutôt Big Mom. Voilà. Donc, il y aura les mêmes trucs qu'au deuxième monde et au premier. En fait, plutôt qu'au deuxième monde, parce qu'il y a le NPC qui se trouve là, comme au premier et au deuxième monde. Par contre, c'est pas comme le premier monde, mais c'est plutôt comme au deuxième monde. Il y a aussi l'autre NPC qui devrait se trouver tout au fond, qui se trouve juste à côté, voilà, vers la droite. Vous pouvez le remarquer qui se trouve juste à côté. Vous pouvez aussi acheter les trucs, genre les stats, voilà, les races et tout. Mais aussi au milieu, vous pouvez prendre le cadeau comme au deuxième monde. Et le NPC pour acheter les fragments se trouve juste à côté. Voilà, comme ça, vous pouvez acheter les 200 fragments, mais aussi les 500 fragments avec des candies. Ça, c'est au troisième monde qui concerne ça. Et en revanche, les candies pour les obtenir, il faudra tuer des NPC. Là, je vais acheter les 500 fragments. Comme ça, j'aurai des fragments en plus. Je pense que je vais faire une vidéo où j'aurai beaucoup de fragments. Ça serait pas mal. Comme ça, je pourrais monter mes fragments à Emilia. Bref, je vais tuer des NPC, plutôt dire des mobs. Excusez-moi. Je vais tuer ce mob et vous pouvez voir qu'on peut obtenir des candies en tuant des mobs de ton level. Par contre, il ne faut pas tuer les mobs de premier monde. Si tu es au troisième monde, voilà. Il faut tuer des mobs qui sont sur ces levels pour obtenir des candies. C'est sur cette mage, et une fois que cette mage sera finie, je pense que les candies vont disparaître comme d'habitude. Voilà, là j'en ai eu une. Et voilà. Et donc, je pense que en tout actuellement, si je regarde sur mon inventaire, sur les valuables, je peux me retrouver vers pas mal en fait, vers les 1000 et quelque chose. Ah, il y a une PC qui me frappe là, par contre, il fait trop mal. À vous d'obtenir le maximum de candies possible. Pour l'instant, je n'ai pas encore atteint le max, et je ne sais pas c'est quoi le max des candies qu'on peut avoir dans son inventaire. Bref, là. J'ai récupéré pas mal de cadeaux que j'ai décidé de vous les montrer dans cette vidéo et j'ai eu beaucoup de malchance. Regardez. Hier, lorsque je suis rentré sur YouTube, j'ai trouvé qu'un YouTuber qui se nomme Dranix était en live et donc j'ai décidé de rentrer dans son serveur pour lui donner ce fameux fruit qui se nomme Blizzard et j'ai décidé de lui donner ça en perme, personnellement, afin de voir sa réaction et sa réaction était tellement choquante. Dommage que je n'ai pas pu recorder ce moment. Bref, juste ce que j'avais à vous dire, je vous remercie énormément de vous être abonné sur ma chaîne, enfin pour ceux qui sont encore abonnés, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça me motive à refaire encore d'autres vidéos. Et d'ailleurs, je pense que bientôt je vais avoir les 20 000 abonnés, donc du coup, c'est le moment de se préparer pour faire un giveaway énorme et digne de ce nom. À présent, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et vous abonner comme d'habitude. Et moi, je vous dis, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao! It's alright. Hush.